saying that I'm doing what you can with no cap. Venez, on vous emmène au musée. Depuis le 1er mars, les musées ont pu rouvrir leurs portes pour accueillir du public. On a sélectionné 4 propositions pour vous. Direction la galerie Tsourmatse à Brig avec l'artiste Silke Panknin. À l'affiche du musée de Bagne, drôle de rire, tout, vous saurez tout sur le rire, ou plutôt les rires, grâce à la curatrice Mélanie Hugon-Duc. Avant de rencontrer le couple d'artistes Barbeza Viltard en plein montage d'une exposition à la ferme Asile, première visite à Sion, au musée d'art du Valais, pour découvrir My Pleasure. Go! Go! You know about blow up beds, top rhyming. I've been laying down hot tracks all in my closet, spitting heavy bars on the software like Logic. Headed to the shop for some self-care items. C'est une exposition un petit peu particulière. L'idée, c'était quoi? De rendre hommage à vos donateurs. L'exposition My Pleasure, en effet, réunit une centaine d'œuvres. Et ce sont pour la plupart des œuvres que nous n'avons encore jamais pu montrer au public. Ce n'est pas une exposition historique, c'est une exposition qui fait dialoguer des œuvres qui sont de nature très différente, de dates différentes, d'artistes jeunes, plus vieux, déjà décédés. Il y a de tout, de différentes techniques aussi. Et donc pour nous, cette exposition My Pleasure est l'occasion de remercier nos donateurs. Donc il y a des donations, vraiment des artistes qui nous ont offert des œuvres, des collectionneurs, comme par exemple Lynn et Jean-Philippe Racine. Il y a la famille Chavaz, la famille Loretan, il y a la fondation Konings, il y a aussi d'autres partenaires comme l'EDA, l'école d'art du Valais, ou encore l'AMAV, l'association des amis du musée d'art du Valais. I've been laying down hot tracks all in my closet, spitting heavy bars on the software like Logic. Sur les 20 dernières années, nous avons reçu plusieurs centaines d'œuvres. Et donc c'est vraiment une sélection assez drastique que nous avons voulu faire. Nous avons tiré le meilleur, ce qui va aussi bien ensemble. Et ce qui a été magnifique, c'était aussi de voir combien les œuvres tout à coup gagnent en puissance aussi en étant réunies d'une certaine façon. Aussi, il y a une chose très importante, c'est le fait que nous montrons environ 20% d'artistes femmes. Et donc si on regarde que le fait que la moyenne des musées, c'est plutôt 5%, alors on est très fiers d'être un peu au-dessus. Et voilà, c'est dû à différentes choses, mais déjà historiquement, il y a plus de femmes dans cette collection. L'histoire elle-même de la naissance de ce musée est liée à un don. Effectivement, le musée d'art du Valais est né en 1947 suite au décès de Rafid Alev, qui en fait a donné tout son travail pour en fait la constitution d'un musée à son nom. Alors on n'a pas pu faire un musée Rafid Alev pour mille et une raisons, mais au départ il y avait quand même toute une salle qui portait le nom de Rafid Alev. Donc le musée d'art du Valais est né à la base d'une donation. Ici on a un ensemble que je trouve particulièrement réussi parce qu'il réunit deux œuvres de Myriam Kahn. Donc on est dans les années 80, dans de l'art très contemporain, une œuvre du 19e siècle. Ici, par exemple, on a une réunion de deux œuvres avec ce Bieler que tout le monde reconnaît a priori, un Bieler des années 20, où ces deux jeunes femmes travaillent avec la faux, le tricot, etc. Et à côté, une œuvre contemporaine de Patrizio Gilflood qui nous dit « So what happened to the promise of leisure ?» Qu'est-il advenu de la promesse des loisirs? Finalement, qu'est-ce qu'on fait pour s'amuser aujourd'hui? Stargazing, light in the fields.
you built up in me. Est-ce qu'on peut dire que ce qui vous a attiré ici, c'est vraiment la montagne, la nature, mais aussi le paysage au sens plus large? Genau, die Landschaft, die Berge, dieses Majestätische der Berge, des Wallis, auch deswegen, weil es die großen Berge gibt, die hohen, ja, über 4000er. Die gibt es nicht woanders in der Schweiz. Et là, vous préparez une exposition pour la Galerie Zurmatze. Alors, sur quoi vous travaillez? Ursprünglich wollte ich Fotos zeigen. Das ist jetzt schwierig in Corona-Zeiten, die zu transportieren. Also habe ich mich hier auf das Material, was ich vorgefunden habe, beschränkt. Und das ist Schiefer in erster Linie. Das ist ein sehr fragiles Material. Aber die gesamten Berge, die wir hier finden, die sind eigentlich gebaut aus diesem Schiefer. Und wenn man hier rumläuft, sieht man überall, findet man überall Schiefer. Und man sieht auch, man spürt auch das Fragile der Berge. Also man denkt ja immer, der Berg ist, der steht, ja. Das ist was Absolutes, ja. An dem können wir uns irgendwie orientieren. Und das ist auch ein, vielleicht auch sowas wie ein Maßstab, der uns irgendwie in dieser unruhigen Welt, in der wir leben, vielleicht irgendwie so eine Koordinate gibt. Aber der Berg ist in dem Sinne ja gar nicht statisch, stabil. Und das, auch im Zuge der Klimaerwärmung wird sich das auch nochmal verändern. Vous travaillez sur une installation, au final c'est ce qu'on pourra voir à la Galerie Zurmatze. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre avec cette installation au public? Die Schweiz steht eigentlich für das Wasserreservoir von ganz Europa. Was passiert, wenn dieses Wasser nicht mehr vorhanden ist? So, und dafür habe ich eine kleine Idee, dass ich verschiedene Eimer in den Raum stellen möchte und aus Plastikflaschen. Plastik ist praktisch das Material, was wir alltäglich nutzen, ja. Und aus diesen Plastikflaschen tropfen immer wieder nur kleine Tropfen runter. Also das Versiegen des Wassers irgendwie auch, dass das verschwinden wird, ja. Just a few years away. Merci beaucoup. Bonjour Magali. Alors voilà, je me suis fait emmener par Vincent Michelot, responsable du Dicaster Culture et Tourisme. These days I'm always late. Quand on rentre dans cette alcôve, c'est l'idée de dire qu'on est dans les repères que chacun a par rapport au rire. Et ces trois écrans nous montre ces rires et soudain sans son, parce qu'on ne comprend pas pourquoi les gens rient, on les trouve déjà un tout petit peu plus étranges. Donc c'est une première salle qui est là pour donner un tout petit peu le cadre duquel on va sortir pour aller emprunter une autre voie. Just a few years away. Pourquoi s'intéresser au rire? Déjà, c'est un sujet très simple, quotidien, familier. Et l'intérêt, c'est de le mettre en perspective, ce sujet très quotidien, dans une vallée alpine, donc l'endroit où est inscrit le musée de Bagne. Le propos dès le départ n'a pas été de vouloir argumenter le fait qu'il y ait un rire particulier aux habitants de la montagne, parce qu'ici comme ailleurs il y a une multiplicité de rires, mais plutôt de voir en fait qu'est-ce que ce couple rire et montagne nous disent de la perception des habitants et du territoire. Not the youngest in the crowd lately, the other way around. Et alors du coup, qu'est-ce que ça dit? Ça dit beaucoup de choses. Là, ce qui est intéressant avec un sujet comme le rire, qui est à la fois émotion et pensée, c'est que déjà dans un musée, dans le cadre d'un musée, c'est immatériel. Donc on peut difficilement le montrer, le rire. On peut essayer de faire qu'il apparaisse
dans le corps et la tête du visiteur. En fait, il nous paraît assez simple, on l'associe à la joie, à la plaisanterie, et dès qu'on l'interroge, il devient très rapidement ambivalent, équivoque. Et pour ça, vous pouvez essayer de faire l'exercice d'expliquer à quelqu'un pourquoi vous avez ri. Donc on voit qu'on doit raconter une multitude de choses, de connaissances qu'on a, d'a priori, etc. Il y a beaucoup de choses à raconter pour essayer d'expliquer pourquoi ça me fait rire. Déjà dans le titre, avec cet adjectif drôle, on renvoie à une double perception, soit drôle, quelque chose de comique, soit drôle, un petit peu étrange. Là, il y avait une vraie volonté de jouer sur ce double sens. Oui, alors le titre, il a vraiment été choisi en fonction du fil conducteur de l'exposition qui, justement, emmène le visiteur sur ce chemin de l'ambiguïté du rire. Donc, il y a cette double signification du mot drôle qui, en fait, se retrouve déclinée dans les différentes salles du musée. The subjects I know nothing about remind me of the numbers I left behind. Je ne peux pas vous demander si vous avez beaucoup ri en montant cette exposition. Est-ce que j'ai beaucoup ri? J'ai eu assez peur que les gens ne rient pas dans cette exposition, parce que c'est vrai que l'idée, c'était vraiment d'inviter le visiteur aussi à interroger ses propres rires. Et depuis que l'exposition est ouverte, j'ai été rassurée, il y a des gens qui rient. Vous êtes ici en résidence à la ferme Asile et vous travaillez directement sur le site. Mais quelle a été en fait votre réflexion au départ? Je pense une envie très forte qu'on reconnaisse plus la ferme. Nous, les expériences qu'on a faites en venant à la ferme, c'est de venir et de voir un éclairage sur l'ensemble de la ferme qui est toujours assez prenant et qui vraiment nous met dans une situation qui est souvent pareille. C'est ça, une sensation avec un éclairage souvent assez dramatique. Et puis là, on s'est dit qu'en fait, cette ferme, on avait vraiment envie de trouver un moyen de se l'approprier et que d'une manière ou d'une autre, pour ceux qui la connaissent, ils la découvrent autrement. Et que même le visiteur sente quelque chose, ressente quelque chose de différent. C'est changer une perception d'habitués ou de gens qui ont eu comme nous un souvenir où on sait déjà comment on y entre, comment on l'aperçoit, comment on la vit. Et tout d'un coup, c'est, c'est d'entrer dans un ailleurs. Cette ferme, c'est un endroit qui est magique et en même temps qui peut être très compliqué parce qu'on a cette charpente qui est extrêmement dominante. Et du coup, tout l'enjeu, c'est aussi de penser comment on peut composer avec cette charpente d'une manière peut-être pas inédite, mais de réfléchir chercher un autre type de dialogue avec la ferme et son architecture si particulière. Cet espace, justement, il se prête vraiment bien à leur manière de travailler. Depuis 2014, depuis qu'ils se sont associés, ils se distinguent vraiment par la création d'objets, mais aussi la mise en scène d'installations hybrides, minimales, radicales, mais toujours très ambitieuses, qui répondent en fait à l'espace, à l'environnement architectural qui accueille justement leurs installations et qui confrontent aussi le spectateur à un environnement spatial qui est complètement modifié. Donc c'est vraiment ce qui m'intéressait dans cette manière qu'ils ont de s'approprier un espace. Et la ferme Asile, pour ça, la grange de 800 m² a vraiment toutes ces qualités-là. On est invité par les artistes à expérimenter la rêverie avec ce projet. Mais aussi, il y a toute une partie qui est très importante aussi, c'est comment est-ce qu'on va questionner l'œuvre d'art dans sa matérialité, dans sa temporalité, dans son statut, dans sa réception. Pourquoi ce titre? Donc ce titre, oui, il fait écho à une nouvelle d'Alain Damasio. Et pour nous, il y a une certaine poésie, un certain flottement dans ce titre qui entre assez bien en dialogue avec la pièce. On avait aussi envie de jouer un peu avec peut-être en même temps quelque chose de nostalgique, mais quelque chose qui pouvait justement susciter un petit peu la curiosité aussi par rapport à tous ces mois où l'espace a été fermé
et d'imaginer quel souvenir même on aurait pu garder peut-être de cette ferme et comment elle pourrait nous apparaître différemment là aussi encore une fois. Votre idée, c'est de ne rien dévoiler jusqu'au vernissage, donc on va le respecter, mais est-ce qu'on peut quand même avoir quelques mots clés? Le but, c'est d'essayer de garder un peu un effet de surprise. On aime que les choses restent relativement le plus ouvertes possible et peut-être donner à la base déjà trop d'indications va déjà peut-être trop orienter le ressenti ou la perception des gens. C'est très général, mais il sera beaucoup question de lumière dans un sens très large et très varié. Pour plus d'événements, consultez votre agenda culturel sur culturevalais.ch.